nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Soyez tous les bienvenus pour célébrer ensemble la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue tout particulièrement à vous les jeunes qui allez recevoir Jésus pour la première fois. Vous avez fait un beau parcours. Le mystère de l'Eucharistie n'a plus aucun secret pour vous. Maintenant, il s'agit de le vivre, que votre intelligence a pu saisir. Il s'agit maintenant de le vivre dans son cœur. Bienvenue aussi à vos parents, famille. Je trouve ça toujours très beau de voir cette procession avec ces jeunes, leurs parrains marraines. Ça nous redit le rôle très important du parrain et de la marraine qui doivent tous les deux accompagner la croissance spirituelle de leurs enfants. Je pense que quand je prépare un baptême, je dis aux parrains marraines qu'ils doivent être notamment spécialistes d'un sujet qui s'appelle la périchorèse des hypostases. J'en suis sûr que les parrains marraines, vous êtes tous maîtres en périchorèse des hypostases. Ça prend tout son sens aujourd'hui parce que la périchorèse des hypostases, ou encore la circumincession des personnes divines, c'est le nom de la Trinité. Et c'est cette solennité de la Trinité qui nous rassemble aujourd'hui. Donc j'en suis sûr que les jeunes, vous pourrez, si je ne suis pas très clair dans mon sermon, qui m'arrive assez souvent finalement, eh bien j'en suis sûr que vous pourrez aller trouver vos parrains et marraines pour qu'ils vous donnent de mieux comprendre le mystère de la Trinité qui nous rassemble. On a bien commencé. On a commencé comment? Les jeunes ne m'écoutent déjà plus. Au bout de 10 secondes, ils ne m'écoutent plus. On a commencé précisément en rentrant dans la Trinité, en se signant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Vous voyez, on a inscrit cette Trinité en nous, sur nous. Alors, cette Trinité, elle est partout. Les pères de l'Église se sont amusés aussi à chercher des signes de la Trinité dans notre monde. Saint Patrick, par exemple. Saint Patrick avait trouvé une belle image de la Trinité dans quoi? Le trèfle. Voilà, Camille. Camille connaît déjà la réponse. Donc ça peut être un bel exercice de trouver, de chercher les traces de cette Trinité dans le monde dans lequel nous vivons. Eh bien, préparons-nous à vivre pleinement cette célébration en demandant pardon au Seigneur, parce que souvent déjà nous avons du mal à nous concentrer. Et je dis ça pour les plus jeunes. Je ne sais pas ce qui se passe par là-bas, mais il y a quelque chose qui attire le regard. C'est ici que ça se passe, n'est-ce pas? Voilà, on a souvent du mal à se concentrer. On a du mal à donner tout son cœur et toute son intelligence au Seigneur. Alors au seuil de notre Eucharistie, nous nous reconnaissons pécheurs et nous accueillons le pardon et la miséricorde de Dieu. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Montre-nous ta miséricorde. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduisent à la vie éternelle. Où je n'ai pas été gentil avec mon prochain, où je n'ai pas voulu faire la paix. Pardon, Seigneur. Des fois où je t'oublie, où j'oublie de prier et où j'oublie que tu m'invites à vivre en ayant confiance en toi. Pardon Seigneur. Où nous manquons de confiance en toi,
où nous voulons diriger nos vies sans nous placer sous ton regard. Pardon, Seigneur. Ensemble, chantons, proclamons la gloire de Dieu. Dieu notre Père, tu as envoyé dans le monde ta parole de vérité et ton esprit de sainteté pour révéler aux hommes ton admirable mystère. Donne-nous de professer la vraie foi en reconnaissant la gloire de l'éternelle Trinité, en adorant son unité toute puissante par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Alors pour les plus jeunes parmi nous, il y a une garderie, comme chaque dimanche à Jeanne d'Arc. Et pour accéder à cette garderie, si vous ne connaissiez pas le lieu, c'est très simple, il suffit de descendre derrière le rideau, il y a un escalier, vous descendez et la garderie sera sur votre droite. La messe est filmée et retransmise aussi, donc les jeunes pourront aussi profiter de la messe. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, Moïse se leva de bon matin et il gravit la montagne du Sinaï comme le Seigneur lui avait ordonné. Il emportait les deux tables de pierre. Le Seigneur descendit dans la nuée et vint se placer là, auprès de Moïse. Il proclama son nom qui est le Seigneur. Il passa devant Moïse et proclama « le Seigneur, Dieu tendre et miséricordieux, lent à la colère, plein d'amour et de vérité. » Aussitôt, Moïse s'inclina jusqu'à terre et se prosterna. Il dit, « S'il est vrai, mon Seigneur, que j'ai trouvé grâce à tes yeux, daigne marcher au milieu de nous. Oui,
C'est un peuple à la nuque raide, mais tu pardonneras nos fautes et nos péchés, et tu feras de nous ton héritage. Parole du Seigneur. Frères, soyez dans la joie, cherchez la perfection, encouragez-vous, soyez d'accord entre vous, vivez en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Saluez-vous les uns les autres par un baiser de paix. Tous les fidèles vous saluent. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Parole du Seigneur. Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Dieu a tellement aimé le monde. Il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui, le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement, celui qui ne croit pas est déjà jugé. Il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Élargissons notre supplication en cette solennité de la Sainte Trinité
à la mesure de la charité du Christ et présentons au Père dans l'Esprit les intentions de tous nos frères. Ce jour où nous te recevons pour la première fois par l'Eucharistie, que ta présence en nous nous aide à grandir dans la foi. Nous te prions, Seigneur. Nos familles, nos parrains, nos marraines, les témoins de la foi que nous rencontrerons sur notre route. Pour tous ceux qui ne peuvent pas être à nos côtés en ce jour et pour nos proches qui sont déjà près de toi, nous te prions, Seigneur. Ô Marie, pour notre Église, que l'Esprit de Dieu, souffle d'unité et de paix, la garde fermement attachée au Christ, à son amour et à son exemple. Nous te prions, Seigneur. Aussi bien sûr notre pays. Seigneur, en ce jour d'élection, nous pouvons confier tous les futurs députés aussi au Christ. Dieu qui sauve tous les hommes et ne veut en perdre aucun, écoute la prière de ton peuple en ce jour où nous célébrons la solennité de la Sainte Trinité et donne-lui la joie d'être exaucé par Jésus le Christ, notre Seigneur.
nous sommes frères et sœurs, présence dans ta vie. Jésus, c'est toi qui nous rassemble, tu es là. Jésus, tu nous parles d'alliance, tu es là. Et dans ce vin partagé, et nous prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Sanctifie, Seigneur notre Dieu, le sacrifice sur lequel nous invoquons ton nom très saint. Et par cette Eucharistie, fais de nous-mêmes une éternelle offrande à ta gloire, par Jésus-Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Avec ton Fils unique et le Saint-Esprit, tu es un seul Dieu, tu es un seul Seigneur dans la trinité des personnes et l'unité de leur nature. Ce que nous croyons de ta gloire, parce que tu l'as révélé, nous le croyons pareillement et de ton Fils et du Saint-Esprit. Et quand nous proclamons notre foi au Dieu éternel et véritable, nous adorons en même temps chacune des personnes, leur unique nature, leur égale majesté. C'est ainsi que les anges et les archanges et les plus hautes puissances des cieux ne cessent de chanter d'une même voix. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions.
Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Faisant mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre archevêque Pierre, son auxiliaire Nicolas, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de tous nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Nous te confions ce jour tout particulièrement Jérôme Cardos, nous te confions Léon Lanoé, Annette Petitot, Madame Garnier, tous les défunts de nos familles, de nos communautés. Reçois-les tous dans ta lumière auprès de toi, sur nous tous enfin, sur vous les jeunes qui faites aujourd'hui votre première des communions, sur tous ceux qui ont besoin de notre prière, sur nos frères malades. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, les martyrs, Sainte Jeanne d'Arc et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils, bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Et comme nous l'avons appris de notre Sauveur, et selon son commandement, nous osons chanter. Notre Père, thank you.
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et dans la charité. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Pour le mouvement de communion, les jeunes qui font leur première des communions vont communier en premier. Et j'inviterai les ministres extraordinaires de l'Eucharistie à se déplacer seulement quand les jeunes auront communié.
Seigneur, le salut de l'âme et du corps, dans le sacrement que nous avons reçu, tandis que nous affirmons notre foi en la Trinité éternelle et sainte, comme en son indivisible unité, par Jésus-Christ notre Seigneur. Vous voulez vous asseoir ? Alors vraiment, je voudrais remercier d'abord vous, les jeunes, qui ont fait leur première des communions. J'ai trouvé que votre attitude était très recueillie, ainsi que vos parents, famille, amis. Je vous donne tous rendez-vous dimanche prochain. Aujourd'hui, nous avons fêté une grande solennité, la Sainte Trinité, et dimanche prochain, nous célébrons une autre grande solennité, la solennité du Saint-Sacrement. C'est la fête Dieu. Et nous aurons la grâce de vivre, dans la continuité de la messe, une procession du Saint-Sacrement, comme nous l'avions fait l'année dernière, pour aller jusque chez les petites sœurs des pauvres. L'année dernière, nous étions allés chez les petites sœurs de l'agneau. Cette année, nous irons en procession avec le Saint-Sacrement. Nous allons marcher avec Jésus, exactement comme les disciples l'ont fait. Les disciples ont marché avec Jésus. Eh bien, quand il y a une procession du Saint-Sacrement, nous marchons avec Jésus. Donc, je nous invite à venir nombreux à Jeanne d'Arc à la messe de 10h30. Et si vous habitez à Rennes, et si vous avez un jardin avec de belles roses, il serait bien que vous puissiez venir avec quelques pétales, pour que nous puissions ainsi consteller le chemin de ces pétales de roses ou de fleurs. Donc ça sera une belle célébration, ça ne durera pas très longtemps, ne vous inquiétez pas. Les petites sœurs des pauvres ne sont pas très loin d'ici, mais nous pourrons vivre ce beau temps. Les petites sœurs et les résidents de la maison de retraite vont réaliser un magnifique reposoir. Donc pour les plus anciens, ça va leur rappeler des bons souvenirs. Et les plus jeunes, ça sera pour plus tard des bons souvenirs. Donc je nous invite en tout cas à venir nombreux, aussi nombreux qu'aujourd'hui, dimanche prochain. Maintenant, je vais inviter Blanche, Augustine et Clément. Ils sont là. Ça va être la plus belle prédication qui soit sur la Sainte Trinité, c'est de contempler ces enfants qui ont été baptisés. Blanche, c'était hier. Margot est peut-être parmi nous, je ne sais pas. Clément, c'était il y a 15 jours, 3 semaines, je ne sais plus. Je vois déjà Augustine. Et Blanche est juste derrière. Donc voilà Augustine, qui a été baptisée, voilà, elle me fait un petit sourire maintenant, qui a été baptisée il y a 15 jours, 3 semaines, je ne sais plus, et voilà, elle découvre sa communauté, et là, voilà, avec joie maintenant. Maintenant Blanche, Augustine à quel âge ? 1 an et demi. Eh bien Blanche, il y a 3 semaines, un peu plus petite. Nous avons quasiment fini, mais il faut nous confier ces jeunes à la Vierge Marie. Nous mettons debout. Vous aviez vu comme avec ces deux enfants, on avait envie de tourner autour d'eux. La plus belle prédication qui soit sur la Trinité. Eh bien, la Vierge Marie aussi nous tourne vers le Dieu Père, Fils et Saint-Esprit, et nous nous confions à elle.